Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter mes achats du jour en fait. On est vendredi, donc je suis allée chez Action ce matin faire mon petit tour. Donc vous allez voir ma vidéo sur mon compte Toria Lifestyle. Et donc là, je voulais présenter ce que j'avais acheté, mais avant ça, je voulais vous montrer mon portable. Alors, je ne sais pas si vous le voyez. Donc, c'est le portable que j'ai cassé. C'est celui que j'utilisais. Je l'adorais, même si, voilà, ce n'est pas le dernier cri. Mais c'est un portable que j'aimais beaucoup. Et en plus, j'ai pas mal comment dire, de photos et de vidéos, en fait, qui sont restées sur ce portable dans la mémoire du téléphone, pas de la carte. De temps en temps, j'avais ma carte qui était remplie. Donc, j'ai basculer sur la mémoire du téléphone en me disant que je vais la copier sur mon disque dur externe, et au final je l'avais pas fait. Donc voilà, voilà. Donc je pense que je peux récupérer mes données. Bon, pour l'instant c'est pas ma priorité, donc j'achète un nouveau portable. Je suis contente, je commence un peu à m'y faire, mais difficilement. Donc on va commencer. Alors là, c'est que Action. Donc aujourd'hui je vais vous présenter que mes achats d'Action. Je vais commencer par ce petit, alors je vais essayer de rapprocher un peu. Voilà, c'est mieux là. Je vais commencer par cette huile. Alors c'est de l'huile d'amande douce, tout simplement. C'est une huile que j'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps. Franchement, je l'utilise peut-être tous les jours, quasiment tous les jours. Je l'utilise pour moi, pour mes filles, pour mon fils. Pour la peau, pour les cheveux, pour les pieds, enfin pour tout en fait. Et j'utilisais aussi beaucoup ça quand ma fille portait des couches. Donc maintenant ça y est, elle porte plus de couches, donc je suis contente. J'utilisais beaucoup ça, je lui mettais pour pas qu'elle ait les fesses rouges. Donc voilà, c'est une huile voilà, 100% naturelle, voilà, testée et approuvée. Donc c'est pas la première fois que j'achète. Voilà, on continue. Mes achats. Alors, ils sont encore emballés. Je les ai même pas, puisque je reviens là juste de chez Action. Donc, j'ai acheté ces fameuses assiettes que j'adore. À chaque fois, je me dis, je vais les acheter, je vais attendre, pas ce mois-ci, pas là, pas là. Et puis, au final, je me dis, bon, elle coûte 2,99 €, donc 3 € l'assiette. Donc, c'est un prix, quand je vois les autres magasins, c'est un prix tout à fait raisonnable. Et ce qui est bien, c'est que je ne suis pas obligée d'acheter la collection complète parce que j'ai pas mal de vaisselle, d'assiettes à dessert. J'ai pas mal de vaisselle qui iront très bien avec ce modèle-là. Donc j'en ai acheté 8, 6, 6 pour l'instant. Je me dis si, voilà, si je vais certainement en racheter parce que 6, ce n'est pas suffisant. Alors déjà, nous, on est 5. Il suffit que j'ai 3 autres personnes, ça fait 8. Et en fait, il m'en faudrait 10. Mais là, j'avais pas. Je me suis dit, je vais attendre un petit peu quand même. Parce que j'ai quand même fait pas mal d'achats ce mois-ci. Et voilà. Il y a pas mal, hein, comme vous avez vu sur ma vidéo. N'hésitez pas à regarder la vidéo sur la vaisselle de chez Action. Il y a pas mal de choses de la même gamme. C'est vraiment des jolies assiettes. Il y a les petites coupelles. Alors les coupelles, moi je les achèterai pas parce que j'ai des coupelles blanches du même style que je vais ajouter avec. Il y a des bols, il y a des assiettes creuses, il y a des assiettes plates, petites assiettes. Il y a même les mugs, vous avez vu, avec la soutache, ou alors la petite assiette pour les mini fours. Donc il y a vraiment une collection totale. Et puis il y a même le plateau à 2 niveaux qui va avec. Il y a même l'assiette avec, vous voyez, les compartiments là, je crois que c'est la même taille, c'est la même taille. Voilà, pour les assiettes, on va continuer par un truc super fun, c'est des pantoufles, parce que en fait il en faut tout le temps à la maison. Nous, on enlève les chaussures en rentrant parce que après on a de la moquette un peu partout, on a des tapis, on a, voilà. Et j'aime bien quand c'est des personnes que je connais, ils savent, ils enlèvent leurs chaussures. Donc c'est bien d'avoir toujours des chaussons. À chaque fois, je le dis dans mes hauls, j'ai toujours des chaussons neuves. Donc là, il m'en fallait. J'ai souvent mes frères qui viennent. J'ai acheté
Ça, c'est mon mari qui m'a demandé parce qu'il aime beaucoup Palm Olive. C'est un gel douche, 3 en 1. Pour les vis, c'est ce qui est bien, c'est pour les cheveux, pour le visage et pour le corps, Palm Olive. Voilà, les prix, il doit être à 1,39 € et ça doit être à 3 euros et des poussières. Donc je connais, j'ai pas les prix en tête, il faudrait que je récupère le ticket de caisse. Alors, je vais faire pause et je vais récupérer le ticket de caisse. Voilà, alors, les grandes assiettes, elles sont à 2,99 €. Voilà. Le palm olive, 1,39 €. Voilà, 1,39 € ça. Et les pantoufles, 3,59 €. Voilà, on continue. Pareil, Colgate. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien acheter. Ils sont à 99 centimes, donc la marque Colgate. Je cherche pas un dentifrice spécial dent blanche, spécial dent comme ça et tout. Un dentifrice pour moi, ça fait l'affaire. Et basta. Là, j'aime bien toujours avoir aussi des brosses à dents. Je regarde en même temps le prix parce que je me souviens plus. Brosses à dents, 99 centimes pareil. 99 centimes la brosse à dents. Donc voilà. Quand il y a des invités, c'est toujours bien d'en avoir. J'ai acheté cette grande serviette, elle fait coton en bambou, ça qui est bien. J'avais déjà les petites et puis les serviettes invitées et j'avais pas la grande en fait. Parce que moi j'achète après au compte-goutte, hein, vraiment, vous voyez pour ma vaisselle, j'achète vraiment au compte-goutte. J'ai acheté celle-là, elle fait la dimension c'est 1,40 m sur 70 cm. Et c'est un joli gris, j'aime beaucoup. Voilà, on continue avec ces chemins de table que j'adore. En fait, je vous les ai montrés sur la vidéo, vous allez voir. Il y avait plusieurs, il y en avait des dorés, il y avait du bronze et il y avait argenté. Et celui qui vraiment m'a tapé à l'œil, c'est celui-là. C'est celui-là, c'est du noir avec des petits fils argentés. Et je trouve que le noir, bah, ça va avec tout en fait. On peut mettre n'importe quelle vaisselle. Je trouve que même la table, elle ressort mieux avec, même la décoration ou n'importe quoi ressort mieux avec des chemins de table de cette couleur. Voilà, j'en ai pris deux. Alors, je ne sais pas si c'est une nouveauté chez Action, parce que ce n'est pas un rayon où j'ai l'habitude d'aller. J'adore les chemins de table, les nappes, tout ça. Je vais toujours dans ces rayons-là, dans les autres magasins. Mais chez Action, j'ai pas, j'y vais vraiment rapidement. Voilà, j'en ai pris deux, donc si vraiment je les trouve top, j'en rajouterai. Il m'en faut encore, je dirais, deux autres. Qu'est-ce que j'ai encore? Alors là, faites de la place. Faites de la place. Alors, je vais... J'ai peur de faire tomber ou de rouler la table. Regardez ce que j'ai pris. Voilà, ces grands miroirs. Oh, on voit! Ces grands miroirs... que je vous montre tout le temps, c'est des miroirs biseautés et bah celui-là, c'était les derniers. Pourquoi je les ai pris? Parce que déjà je les trouvais jolis et surtout parce qu'en fait bah, ils sont pas chers, 8,99 € ou 9,99 €. En tout cas, ils sont à moins de 10 €. Et surtout, c'est que j'ai vu que le code barre était barré, donc je me fais plus avoir maintenant. Je me suis dit 2 à 9 € en gros, ça va pas me mettre. À plat, donc je me suis dit je vais en prendre et voilà. Le deuxième, ce qui est bien, c'est que regardez, il est encore sous cellophane, donc je peux voilà. Et ces miroirs-là, en fait, je suis en train de refaire ma chambre, pas la totale, parce qu'on a refait déjà le dressing, on a refait l'espace coiffeuse, et là j'ai envie de me faire le côté lit, parce qu'en fait c'est vrai que le lit plus ma tête de lit, enfin la déco, c'est vraiment la récupération de notre ancien appartement. Donc là j'ai envie de racheter un lit avec une belle tête de lit et refaire les chevets avec ces miroirs là. C'est des miroirs qui font 50 sur 70, je vais tomber mon ticket. C'est des miroirs qui font 50 sur 70. Je vais vous dire ça. Voilà, non, 5, 40 sur 50. Donc, pas très grand, pas très petit. Moi, je voudrais les mettre au-dessus de ma table de cheveux, au-dessus de mes, sur les côtés, sur mes tables de chevet.
Et voilà, donc je pense que c'est tout. Non, il y a encore une autre chose que j'ai achetée. Je vais faire pause. Et voilà, j'ai acheté ça. J'ai acheté ce crayon à lèvres que je trouve joli. Pas si vous le voyez, si vous voyez la couleur. La couleur, c'est un rose assez foncé. C'est la couleur 212, 302, pardon. Je vais l'ouvrir avec vous, comme ça je vais tester direct. Je vais retirer ce miroir. Voilà. Voilà, j'aime bien quand voilà, ça se présente. Hop. Oui. Non, c'est là. Je cherche après le. Et la couleur, ça fait une couleur. Vraiment, tout ce que j'aime, je trouve. Bah, en fait, regardez. Il a la même couleur, plus ou moins, que mon vernis. Vous voyez? Elle est vraiment jolie. Là, j'ai la peau qui est plus mate, en fait, au niveau des mains, que le visage. C'est vrai que le visage, j'ai la peau. Plus clair, mais voilà, ça reste des couleurs qui passent avec les couleurs de peau comme ça. Vous voyez? Ah, j'aime trop, 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 trop. Et pourtant, je l'avais pas testé. Donc la couleur vraiment correspond vraiment à cette couleur-là. Hein. Souvent, on a des surprises, mais non, celle-là, ça correspond vraiment. Et même, je vais essayer. Bah, je vais le tester. Et je vous dirai au niveau de la tenue ce que ça donne, si voilà, ça tient ou si voilà, ça bave ou quoi. Donc je vous mettrai peut-être un mot en commentaire. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai acheté pour aujourd'hui. Ça, c'est mes achats d'aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, partager, commenter. Et dites-moi, en fait, voilà, c'est ça que je voulais savoir. Je voulais savoir par rapport à ce miroir, en fait. Moi, je souhaiterais, de toute façon, je vais partager ça avec vous hein, quand je vais acheter mon lit, quand je vais acheter ma nouvelle tête de lit, quand je vais mettre mes nouvelles tables de chevet. Je vais partager tout ça avec vous. Je le ferai peut-être en direct. Donc, dites-moi en commentaire quel genre, voilà, quel genre de table de chevet vous verrez sans que ça fasse trop miroir. C'est vrai qu'on en voit beaucoup, j'aime beaucoup, mais moi, je pense aussi au nettoyage. Je me vois pas faire le ménage 3-4 fois par jour dans la chambre, quoi. Donc non. Et il y a des têtes de, il y a des tables de chevet qui sont très jolies et qui pourraient aller avec ça. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Voilà. N'hésitez pas aussi à me donner des liens, enfin, des lieux, des endroits ou le prix. Donc voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la mettre un pouce, à liker, partager, commenter et aussi voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!